pas ce matin tous réussir cette séance. Lui en grâce pour nous avoir donné ce souffle que nous avons trouvé une fois de plus après ce jour au ciel couvert par la coupe. Lui en grâce également de nous avoir offert cette journée. C'est une journée de grâce qui vient de lui. La journée lui appartient et nous lui promettons. Que tu te rends nos travaux, nous en ferons une journée d'adoration pour lui, une journée de gloire, et actuellement une journée de victoire sur les ennemis et sur toutes les maladies. Tout le monde se portera bien dans cette salle. J'ai profité de l'occasion pour une mention spéciale, pour une mention spéciale pour les participants infatigables, les combattants, les conquérants, comme les Ukrainiens, les Troyens, les Bourreaux, qui ministres des Affaires, les ministres qui, pendant l'activité, qui ne sont pas, qui soient membres ou pas, tous ceux qui l'ont encore, les invités de marque, à vous tous, merci de vous bénir. Je terminerai par sans insister sur ma gratitude. Vous savez la présence de nos honorables députés. Le monde change. Adaptons-nous. C'est parti. Elle est partie de l'espoir. Encore une fois, j'ai beaucoup de le dire. J'ai cette occasion de le dire. En présence de nos honorables députés, hommes comme femmes, nous sommes en train de travailler à la fondation de notre parti pour faire face aux défis présents et défis futurs, comme le dit notre hymne. Nous sommes tous prêts pour faire face à ces défis. Tous prêts. Et ceci à la satisfaction de notre peuple. Monsieur camarade, et je crois que vous savez très bien que nous vivons un moment difficile. Nous tournons nos travaux et sur la base du programme qui nous a été proposé, qui allait durer du jour, nous aurons l'occasion d'échanger. Seulement, je ne terminerai pas sans vous encourager à vous armer d'ardeur, à vous armer de persévérance, à vous abstenir de vous armer d'esprit d'intimidation. D'esprit de courage, face à ces défis. Au contraire, amenez-vous la foi qui nous donne la force pour crier à ma Père. Et nous voulons nos yeux et la tête vers les cieux, car le Dieu du puissant, nous ne pouvons rien faire. Mais je vous remercie que vous êtes une force déjà. Une force. Notre conseil intervient à un moment où je ne le dirai pas assez. Je le dirai à tout moment que nous sommes une formation politique appelée à animer avec joie et bonheur la vie politique pour la prospérité de notre pays. Chers amis, nous sommes obligés de le faire parce que notre pays, en ce moment, traverse un moment difficile. Dans un monde difficile,
un moment difficile dans un monde difficile. Chacun de nous doit tout faire pour se débarrasser de l'esprit du diable. Tout faire pour entrer dans la lumière, pour le bonheur de ce pays. Tout faire pour être apôtre de paix. Et non porter l'évangile de la haine, de la division, de la destruction. Mes chers compatriotes, nous sommes là pour le peuple. Je pense que ceci est vrai. Le second point, avant de terminer, c'est vous dire que je demeure persuadé que vous continuez de partager cet idéal. Et j'ai pris Dieu tout-puissant. Je vous convainc de cela, que nous partagions ce idéal ensemble. Basé sur le fait que chacun de nous doit crier l'esprit de paix, l'esprit de paix, la paix du cœur de notre peuple. La paix du cœur, c'est l'âme qui vient de Dieu. Et j'allais dire la paix durable. La paix durable. Vous me poseriez la question de savoir, mais pourquoi il insiste? J'insiste parce que ça la peur ne peut jamais aller à un développement intégral et inclusif. Et plaise à Dieu de nous accompagner dans cette voie. Plaise à Dieu d'accompagner le gouvernement dans cette voie. Plaise à Dieu d'accompagner le peuple béninois dans cette voie. Et plaise à Dieu de nous épargner de tout affrontement. De nous épargner, on n'en veut pas. Nous sommes commandeurs, comme le dit. Les uns et les autres, nous sommes de paix. Et nous porterons la culture de la paix, contrairement à cette étiquette que les uns et les autres font semblant de véhiculer. Nous disons dans notre hymne que nous sommes là pour construire une nation dans la diversité. Et ceci à travers notre projet de société. Le projet de société, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la violence. Quand je suis en mesure d'être votre ambassadeur pour rassurer les uns les autres, le parti n'est pas un parti de violence. Le parti travaille pour éviter cela. Attention, vous posez tel acte, voici les implications. Si nous prenons la gouvernance électorale, les instruments conduisent aux frustrations, lesquelles peuvent nous conduire plus loin. Mais nous faisons tout pour assurer tous nos militants. Et je demande à chacun de vous, ici présents, véhiculer ce message pour que vous soyez à tout mon militant où qu'il se trouve, que qu'il en soit ainsi pour le bonheur de notre pays. La vraie paix, c'est celle-là qui apporte la paix du cœur. La vraie paix, c'est celle-là qui nourrit. La vraie paix, c'est celle-là qui partage. La vraie paix, c'est celle-là qui interdit toute exclusion économique, sociale, sécuritaire. La vraie paix est celle-là qui ne divise pas. La vraie paix est celle-là qui unit les familles, les ménages, le pays, la nation et la République. Chers conseillers, participants, bienvenue à vous. Et je demande à notre Seigneur, au
au Saint-Esprit, de nous prier totalement dans son omnipotence, son omniscience, son omnipotence, et de présider d'une main de maître tous les charges de l'amitié et l'esprit de famille. Je souhaite plein de travaux, plein de sujets, pardon, à nos travaux et bienvenue à vous tous. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Nous sommes la lumière où il y a la nuit. Nous apportons le sourire où il y a le charme.